Il se faufile à l'ombre des maisons, sans un bruit, à pas de velours. Il n'a pas le choix. De son déplacement dépend sa survie. Il ignorait qu'il pouvait pleurer, mais son cœur est au bord des larmes. Il a regardé sa progéniture être jetée au feu, sans pouvoir intervenir. Ils les ont soulevés, bien haut dans le ciel, avant de les jeter dans le bûcher ardent, au milieu de la grande place. Une fête. Ces odieux monstres en ont profité pour faire une fête, pleine de bruit, de rire et d'embrassades. Il s'arrête quelques minutes sur le pas d'une porte cochère. Il retient son souffle. Il a entendu le grognement d'un chien. Une infâme bestiole de la maréchaussée. Il sait qu'on le traque, qu'on le poursuit, comme tous ceux de son espèce. Il se sent fatigué de vivre. Se cacher ou se battre, seule alternative pour toutes ces longues journées. Ce soir, ce sont ses enfants. Hier, c'était sa compagne. Ils sont arrivés à trois. Trois hommes gigantesques qui l'ont attrapé, torturé, pendu en haut d'un arbre. Et alors qu'elle était agitée de spasmes par manque d'oxygène, ils ont sorti un poignard et l'ont éviscéré. Il n'en peut plus. Il se sent perdre pied. Deux rues encore et il sera à l'abri. Là, vit une jeune femme douce et aimante. L'une des rares à les protéger. Elle doit se faire un sang d'encre de ne pas avoir eu de nouvelles de lui depuis bientôt 3 semaines. Il court, plus vite, plus alerte que jamais. Il grimpe sur un balcon, monte sur le toit et se fond dans le ciel obscur. Une, deux, trois maisons. Et le voilà arrivé. Il tape délicatement sur la fenêtre. Elle est assise sur sa chaise, un tricot à la main, et lève les yeux vers lui. Elle se précipite et le laisse se faufiler dans le salon. La cheminée ramène un peu de chaleur dans son regard éteint par ses journées ponctuées de mort. « Oh, te voilà enfin! J'étais tellement inquiète! Tu vas bien ?» La jeune femme l'entoure de ses bras. « J'ai eu tellement peur. Je t'en supplie, ne t'en va plus. Reste avec moi. Je ne veux pas qu'il te fasse du mal. » La jeune femme appuie son visage tout contre ses épaules, et il ne faut qu'une fraction de seconde pour que les larmes traversent l'épaisse fourrure. Il dépose son regard sur celui de sa maîtresse. Il comprend, ô combien, son inquiétude. Il l'a vue en sautant sur le toit, son frère, accroché à la porte du voisin, le corps écarté en forme de croix. Il se glisse tout contre le cœur de son humaine et ronronne doucement. Ici, dans ce salon, près de la cheminée, il le sait. Elle serait capable de donner sa vie pour lui, surtout en ces jours d'inquisition où tout chat est mené à la mort. De plus, si comme lui, on est un chat noir.